Christine Lagarde et Ursula von der Leyen, défigurées par les coups. Près de Murcie, en Espagne, une artiste a choisi des visages célèbres pour dénoncer les violences à l'égard des femmes. À Paris, une place porte même désormais le nom de ce combat et rend hommage aux victimes. Tout un symbole. Ça veut aussi dire qu'on commence à mettre le débat des féminicides et des violences intrafamiliales sur la place publique, enfin c'est le cas de le dire, et que tant que l'opinion publique, dans son immense majorité, ne se sera pas, accaparé ce débat et obligera les gouvernants à changer ce qui existe, rien ne changera. Donc ça, c'est une étape qui est indispensable. 40 chaussures rouges exposées sur le sol à Sarajevo, elles symbolisent les femmes tuées en Bosnie depuis 2019. Des chiffres sans doute incomplets, car les féminicides ne sont pas reconnus par la loi locale. À Rome, en Italie, des noms de victimes ont été projetés sur le Colisée, illuminés en rouge. 50 féminicides sont recensés chaque semaine en moyenne dans l'Union européenne.